Bonjour à vous. Aujourd'hui, on fait une petite dégustation asiatique avec ces petits trucs au calmar frit. Alors, on essaye ça. Ça sent le calmar frit. Ça sent un peu l'oreille de Chris, pour ceux qui connaissent au Québec. Les oreilles de Chris, c'est du porc frit, le couenne de porc frit, la peau de porc frit. C'est épicé beaucoup. Il y a beaucoup d'épices dessus. Ouh. C'est très bon. Je vais vous le montrer plus en détail. C'est ceci. Comme ça ici. Et comme les petits marques des grillades. C'est épicé à souhait. C'est super bon. Il y a un petit goût caramélisé. C'est vraiment bon. J'ai pris ça chez Kim Fat. À Montréal, sur Jarry. Sur Jarry S. Kim Fat. C'est un gros sac. Vous voyez, ça c'est tout plein. Il n'y a pas d'air. L'air, il n'y en a pas. C'est tout plein. Ça, c'est le sac au complet. Alors, vraiment, c'est vraiment bon. Petit cri en japonais, en chinois. Je peux pas vraiment dire c'est quoi qui est marqué, mais il y a des pourcentages, puis sont assez élevés. C'est vraiment bon. Ça s'appelle Lil Crips. Lil Crips, comme vous pouvez le lire. Lil Crips. C'est vraiment très bon. C'est sûr que je vais en racheter. Un goût de miel. Je sais pas si c'est du miel. C'est des épices oiseaux sur l'emballage. Avec un peu de miel, si on voit sur l'emballage. Les épices oiseaux sont ici. Avec le calmar qui est là. C'est vraiment très très bon. Ça se mange tout seul. C'est vraiment bon. Si vous en trouvez, prenez-en. Parce que c'est vraiment bon. Fait que laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner avec le logo ici, de regarder la vidéo suggestion ici, et de faire des suggestions vidéo pour enrichir ma chaîne, me donner des idées de vidéos, parce que j'en ai plus d'idées, j'ai besoin d'enrichir ma chaîne
avec de nouvelles idées. C'est vraiment important que j'aie de nouvelles idées pour enrichir ma chaîne. Alors, n'oubliez pas de donner des suggestions de vidéos, de bons commentaires constructifs. S'ils sont négatifs, mais qu'ils soient polis. Polis, bien sûr, les commentaires. Et c'est ça. Et n'oubliez pas d'aller sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pour aller me faire regarder 3 petites pubs ou faire un don personnel qui va m'aider à enrichir ma chaîne, bien sûr. Avec ce don personnel, vous allez pouvoir m'aider à acheter des objets pour que je puisse aller filmer ailleurs ou mieux filmer, parce que là je filme avec une caméra un peu cheapette. Alors c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est tout. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!